un certain nombre de choses qui ont été dites. Et la situation est... C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même... Je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse. Il va falloir le corriger. Puisque vous... Vous m'avez donné la parole, Benjamin. Absolument. J'aimerais pouvoir terminer, puisque c'est un sujet... Et je voulais terminer dans une seconde, mais juste je fais une parenthèse. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée, c'est bien de souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu aux propositions françaises. Au moment où nous parlons, avec leurs équipes cynophiles, sur le territoire marocain, il y a en effet l'Espagne, avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait Monsieur le courtier, il ne semblait pas en être informé, qui ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement je rejoindrai Monsieur le courtier là-dessus, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Russie, ni tous les alliés, amis et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise. Écoutez, ça va prendre un moment, toute cette histoire. Nous avons... Mais personne ne se formalise, honnêtement. Je m'excuse, Amandine, non, si vous permettez. Oui, d'interrogation... Je voudrais juste terminer le raisonnement. Il y a, si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas les faits. Cela ne reflète pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter, il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Donc ce que vous nous dites, voilà. Samira Sitaïl, c'est qu'en fait on voit tout ça avec nos lunettes de pays occidentaux, alors qu'en réalité c'est pas la même façon de communiquer. Non, ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin. Moi, je reviens à l'aspect purement politique évoqué par Amandine il y a quelques instants. On évoque la question algérienne. On évoque la question du Sahara marocain, qui est une affaire de justice, qui est une affaire éminemment stratégique et géopolitique pour le Maroc. Et ce n'est pas faux de dire que les relations franco-marocaines ne sont pas bonnes. L'immigration. On évoque des questions posées au niveau de la sécurité de la France, éventuellement l'espionnage du téléphone portable du président de la République. Toutes ces questions nous éloignent du fond de la question, auquel je reviendrai et je ne tarderai pas. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est important. Rapidement, parce qu'ensuite, Ronald Guintrange nous attend à Marrakech. Nous y revenons par rapport à cette question lancinante sur ces plateaux de chaînes d'information continue depuis 48 heures. Et on vous pose des questions. Avec tout le respect... que Cher j'ai, Samira et en vous remerciant pour votre invitation, Benjamin, sur la souveraineté d'un État qui consiste à dire mais la France ne répond à la demande du Maroc que si le Maroc exprime une demande. Le Maroc l'a-t-il fait ? Le Maroc remercie tous ceux qui se sont proposés en disant attendez, nous avons un coût, c'est des milliards de dollars qu'il va falloir sortir. Il y a un coût social, éducationnel, il y a un coût patrimonial absolument extraordinaire qu'il va falloir à un moment donné que chacun de nos partenaires, de nos alliés se départisse d'une posture politique pour véritablement et de manière sincère venir je crois comme le